explosé. Tony, pareil, qui est explosé et pas bien en film. Il fait froid, ça caille, il y a du vent. Le temps n'est pas à son plus bel effet. Et nous allons tenter d'explorer un bunker italien situé sur une falaise. C'est pas gagné parce qu'apparemment l'entrée va être très difficile à trouver. Du coup, on va s'aventurer sur cette falaise avec le vide en bas, donc faudra pas se louper. Allez, c'est parti! J'espère que tu vas kiffer autant que nous. J'ai du mal à parler. Faut que tu saches que, comme un con, je me suis juste vêtu d'un t-shirt manche longue. Et regarde le temps, on avait pas tous les cils. Il y a un vent de malade, un vent de fou. La température est grave descendue. Je suis en train de me pouler, mais un truc de dingue. Parce que le dernier souvenir que j'ai du Chamberton, c'était en août et pas en juillet. Genre en juillet et juillet en fait. Il fait encore assez frais, c'était pas prévu ça, tu vois. Et du coup, j'ai pas pris mes dispositions, on était parti pour monter, faire l'explo et redescendre. Et je pensais que c'était pas canard comme l'année précédente. Mais au final, non, pas de soleil, que du vent, du froid. J'espère terminer cette vidéo avant de décéder pour pouvoir te la poster. Bon, si tu la vois, c'est que normalement tout s'est bien passé. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un attelage. Non, c'est pas un attelage ça. C'est pas un attelage. Ah bah tiens, c'est magique, il n'y a plus de vent. Ça va? Ça va. Ouais, il n'y a plus de vent. Hein. Anthony, il est en train de décéder lui aussi. Il est pire que moi, mais bon, sauf que lui, il a une veste, une casquette. Il a de la chance. Bon, on va essayer de trouver l'entrée de ce bunker. C'est pas gagné. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Il se passe là? En dessous du moins? Non, je pense pas. Bon, on va tenter une partie un peu risquée. Il y a un passage au bord de la falaise. Là il faut pas qu'on se loupe. Parce que si on glisse, normalement tu vois pas la vidéo. Donc comme je dis toujours, si tu la vois, c'est que ça s'est bien passé. Alors là-haut, juste pour info, c'est le mont Chamberton. Avec bien sûr le fort le Chamberton, la fierté des nuages. Voilà, si je tombe, c'est mort. Oh, punaise. Bon, on se rapproche, hein. C'est que ça. Un passage? Non, c'est pas vrai. On aurait peut-être trouvé l'entrée. Ah punaise, une étroiture. Là je pense que je vais en chier pour passer. quelqu'un creuse? J'ai un fada, je crains de gang. Bon, bah, je sais pas comment on va faire, mais on va continuer peut-être plus loin. Avec un peu de chance. On y va ensemble. Hein. Pourquoi? Parce que tu tombes, je tombe. C'est dans quel film ça? Je sais pas. Backdraft!
En fait, en vrai, tu tombes quoi. Moi, j'appelle les secours par contre. C'est là, c'est les créneaux en fait. C'est pas l'entrée. Ah, pourquoi pas. Oh, j'ai failli tomber. Regarde. Oh, oh. Reste là, attends. Il s'en est fallu de peu. Tu n'as peut-être pas... Je parle plus français. Tu as failli ne pas voir la vidéo en fait. C'est ça que je voulais dire. Là je suis pris dans, dans l'émotion. Oui, la suite dans une prochaine vidéo. Non, je déconne. Je vais pas te faire ça quand même. Hein. Là c'est serré. Je t'avoue que c'est serré là, tu vois. Hop là, on va passer par là. Donc bien sûr... Je t'invite à ne pas reproduire ce que je fais, ce que nous faisons. C'est complètement débile, c'est inconscient, c'est dangereux. Bon, on le fait, on assume. On est des professionnels, on a expérimenté. Il y a encore des trucs là-bas. Ah, c'est le double. Ouais, bien vu. Bon, là, le créneau, je vais pas passer. Mais en faisant un régime, je crois que. Ah, on passe, hein, c'est bon. Ah, ben là, ah, oui, on passe, mais on va pas loin. Tu as vu, il y avait un nid dedans. Au-dessus, j'y crois pas trop. Hein. Je vais plutôt dire à côté. Tu pars en explo ? Ah oui, oui, oui. Bah écoute, Max part en recours, moi je vais voir de l'autre côté. Tony, viens pas le con. Tony, oh, oh. Il est fou lui. Reste là, bouge pas. Hein. Ah, c'est chaud quand même, j'avoue. Je pense que c'est là-bas. Reste là. Oh. Et toi, reste là. Ne bouge pas. Moi, je suis ton père, je fais ce que je veux. Je pense que c'est à côté. Je sais pas pourquoi quelque chose s'est mixé à côté là-bas. Je crois que j'ai trouvé. À moins que ce soit notre créneau, mais je pense avoir trouvé l'entrée. C'est hyper chaud. Bah Max aussi, mais il vient de l'autre côté. J'ai trouvé en premier. Hein. C'est moi qui ai trouvé, c'est pas toi. C'est bon. Elle est là, l'entrée. Si on se rappelle dans l'entrée, non hein. Ouais. Non, c'est pas l'entrée, c'est un créneau. Bah merde, celui-là, on le voit pas d'en bas. C'est un créneau. C'est mort. C'est mort. Si je m'en vais de savon, que je me fous à poil, est-ce que tu crois que je passe là? Non, je crois que c'est mort, c'est pas vrai. C'est pas possible que je puisse pas y rentrer. L'entrée doit être quelque part, mais je pense pas qu'elle soit en façade. Pour moi, elle est pas là, l'entrée. Il n'y a pas de chemin, ce serait pas emmerdé à passer par là chaque fois pour rentrer et sortir. Elle est pas là, l'entrée. Elle doit être au-dessus. Elle doit être au-dessus, l'entrée. Au-dessus ou quelque part par là-bas. C'est pas possible pour moi, c'est pas envisageable. Attends, je filme, comme ça, si tu tombes... Je fais le buzz. Non, je déconne. Hein. Ah, tu devrais pas. Tu devrais pas l'en bas. Tu devrais pas l'en bas, sérieux. Hey, merde, raté. Non, mais on va sortir de ce bourbier là. On va se barrer. On va aller de l'autre côté. Hein. On va aller de l'autre côté. Pour moi, elle est pas là l'entrée. C'est pas possible. Soit plus bas, on va pas. Il y a pas de chemin. Il y aura un chemin. Il y aurait quelque chose. Ces nuages là, ça fait vraiment flipper. Si on se prend une race ici, c'est chaud. Eh bien, pas d'entrée. Pas d'entrée. Deux solutions. Soit l'entrée est éboulée, puisque au moment où je déconne, quand je parle des toitures, on voit la calèche tomber dessus. Donc, possible que ça se soit éboulé et que ça ait bouché l'entrée, ou que ça a été éboulé volontairement par sécurité pour pas que des gens s'y aventurent. Soit une suite, et dans cette suite, eh bien, on partira à la recherche de l'entrée de ce bunker. J'ai quelques petites idées, on va dire.
je penserai par le haut. Parce que par le bas, le chemin s'arrête et bon, normalement une entrée de bunker ça doit être accessible rapidement. Donc après la fin du chemin, je pense pas que tes mecs risquent leur vie en courant en cas d'attaque pour se réfugier dans le bunker. Donc pour moi, c'est soit la partie qui s'est éboulée, soit elle est quelque part par ici. Et hop là, voilà, quelque part en haut. Eh bien écoutez, on va revenir. Voilà, bon, je vous avoue qu'on n'a pas la foi, on est mort. On n'en peut plus, on s'est tapé un peu plus de 3 heures de marche, on a fait un ouvrage avant de faire cette vidéo, pour une autre vidéo. Voilà, bon, bien du coup, cette vidéo touche à sa fin. J'espère quand même, malgré qu'elle soit très courte, que tu as kiffé. Et je te dis à très bientôt pour la prochaine, tchou tchou.